Le gouvernement ne s'est pas prononcé officiellement sur le maintien ou non de la date du 17 mai 2020. Je ne vous cacherai pas qu'à l'initiative du président de la République, une réunion à laquelle j'ai participé s'est déroulée hier avec les présidents des institutions constitutionnelles de notre pays, président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de la Haute Autorité de l'audiovisuel, de la communication, président de la Sénat et certains commissaires de la Sénat, pour faire le point des diligences qui ont été accomplies par la Sénat jusqu'à ce jour, une Sénat qui travaille au maintien du calendrier électoral pour se conformer à l'impératif constitutionnel de l'organisation de nos élections à bonne date. Et après avoir salué le gouvernement pour les mesures qui ont été prises pour limiter le risque de propagation du Covid-19 sur nos compatriotes, les participants à cette réunion, je veux parler des présidents des institutions, ont estimé que rien n'était de nature à mettre en péril les populations pour le cas où le scrutin serait maintenu à cette date. La décision est en cours de préparation. C'est à la Sénat qu'il revient, après consultation, bien évidemment, des partis politiques, d'officialiser le maintien de la date du 17 mai, après avoir recueilli les observations des partis politiques qui veulent prendre part au scrutin du 17 mai. Donc, il ne s'agit pas encore d'une décision, il ne s'agit pas de l'officialisation d'une décision de ne pas maintenir, il s'agit de travaux préparatoires pour lesquels les présidents des institutions se sont mis d'accord pour demander au gouvernement de maintenir la date. Donc, ce n'est pas un processus dont le gouvernement a la maîtrise. Le gouvernement et son chef ont déjà joué leur partition, c'est de convoquer le corps électoral pour le 17 mai. Ce qu'il faut noter, c'est que la Terre continue de tourner. Ce n'est pas parce que la rentrée scolaire et université a été repoussée à un mois. Et là encore, le gouvernement est soucieux de maintenir les examens. Le gouvernement est soucieux de ne pas rendre vains les efforts des apprenants. Le gouvernement prend des dispositions pour que, dans tous les cas de figure, et le cas de figure que nous souhaitons, c'est que, dans ce délai, nous ayons une maîtrise de la pandémie sur le plan mondial comme sur le plan national et que nous retournions à la vie normale. Mais on ne peut pas ne pas comprendre que le gouvernement ne veuille pas sacrifier les apprenants et donc tout mettre en œuvre pour qu'ils aient une année scolaire complète et qu'ils puissent passer leurs examens. Cet impératif auquel le gouvernement se conforme est plus accentué dans le cas des élections municipales, puisque nous avons un impératif constitutionnel d'organisation d'élections à bonne date, dans une bonne période. Le péril aujourd'hui n'est pas jugé irréversible, n'est pas jugé irrémédiable, puisqu'il y a des notes d'espoir, pour qu'on envisage tout de suite de reporter les élections. Surtout que le maintien sera accompagné de mesures sanitaires, de mesures de préservation de la santé de nos populations, qu'on a tenu compte de cette pandémie, puisque c'était l'objet de la réunion, pour, par exemple, substituer une campagne, parce que c'est une phase importante, donc, de l'élection du scrutin, par voie de médias, plutôt que les campagnes de terrain,
dont nous avons l'habitude, quand bien même il s'agirait d'élections de proximité. Et je rajouterai, pour terminer, que ce n'est pas normal que l'on s'émeuve de tout ou de rien. Il y a la pandémie, le gouvernement a pris des dispositions pour que cette pandémie soit jugulée, ou en tout cas, qu'elle ne rayonne pas dans notre pays, et on le fait avec plus de succès que d'insuccès. Il y a d'autres pays dans le monde où cette pandémie fait beaucoup de ravages et qui maintiennent quand même le cap de leurs élections. C'est ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Donc, il y a le choix de ceux qui, parce qu'il y a eu des incidents, et ça c'est le cas de la France, où il y a une polémique, on estime que le jour du vote du premier tour des élections municipales, il y a eu beaucoup de contagions, c'était à une période où l'alerte n'était pas rentrée dans toutes les têtes. Mais malgré la déferlante de cette propagation, il y a d'autres pays qui maintiennent leur scrutin. Et notre pays, librement gouverné, estime qu'il n'y a pas un tel péril qu'il faille renoncer au calendrier imposé par notre Constitution et les accords auxquels nous sommes partis. Donc, le scrutin pourrait se tenir le 17 mai avec toutes les précautions pour se conformer aux prescriptions du gouvernement qui a pris les mesures les plus adaptées pour préserver la santé de nos compatriotes. S'il s'avère difficile ou périlleux de maintenir cette date et d'organiser les élections parce que la situation aura évolué dans un mauvais sens, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais pour l'instant, ce péril n'est pas encore jugé suffisamment grave pour arrêter le cap du 17 mai. Et nous travaillons également dans l'esprit d'optimisme, comme je dis, empreint de réalisme, que les signaux que nous avons actuellement font espérer que cette pandémie sera de plus en plus cernée, maîtrisée et jugulée. Donc, le gouvernement ne peut pas être dans une logique pessimiste. Le gouvernement est évidemment dans une logique d'optimisme qui résulte de l'efficacité, en tout cas des résultats observés depuis les mesures que nous avons adoptées. On dit comparaison n'est pas raison, mais vous auriez observé que dans notre pays, grâce aux mesures qui ont été mises en place, les choses sont plutôt maîtrisées, les risques sont contenus, sont limités, et que les cas que nous enregistrons démontrent très clairement qu'ils proviennent de la non-observation rigoureuse des mesures de sécurité prescrites, recommandées. Donc, si nous continuons la sensibilisation, si de plus en plus de Béninois, parce que dans notre immense majorité, nous observons ces mesures, si nous observons davantage ces mesures, on peut espérer que l'environnement, le moment seront propices et permettront que nous allions voter en observant les règles de distanciation sociale et les gestes hygiéniques, les gestes barrières. Donc, personne ne mourra et le gouvernement n'occulte pas l'impératif de sécurité et de santé publique. Mais le gouvernement tient compte de ce que nous n'allons pas, alors que de bonnes mesures ont été prises, arrêter le Bénin, qui continue d'être gouverné, qui continue, c'est vrai, dans un esprit, dans un rythme un peu plus ralenti, certes, mais qui continue à veiller, un gouvernement qui continue à veiller au bien-être des Béninois et qui veille au calendrier scolaire et qui veille également au calendrier électoral.